Ia, mai tai tātou i te whanotea tō tātou whanare nei tēnei pūpuri. Ia tauturu mai tātou, tō i te whaotira o tātou e roi te e mana. Tō tātou whenua no tō tātou. Preti tēnei i tau whenua, mau whatrehau, ui tō whā. Mau ti a mai te he, te nuna, tō tātou nuna ai tā mei tēnei pūpuri. Io ranai tō tātou whanare nei. Papa e prorheu, ta prorhei, te wea roepa. Mou papa e wea. Le media, bonjour tout le monde. Te pare aura tato i tato tapuru e pai mua ia i te artei da te ture. Paru tato ina nene i te mana o te patere da o te whenua te mou patere hau te pretitin. Te e mana o matamua norto mai tu tato ta ia Robert Tonsu. Uzawai la parole. Maruru, Yorana Feritini, Yorana, Monsieur le Président de la Polynésie française, bonjour, Yorana, Monsieur le Sénateur, Yorana, Messieurs les collègues ministres, et bien entendu, bonjour à mes collègues, Mesdames, Messieurs, mes collègues élus. Je voudrais remercier tous les amis qui sont venus assister, qui ont mis de côté leur journée pour venir assister à cette séance, Maruru, tous ceux qui sont donc derrière nous, sans oublier bien sûr les journalistes qui sont venus en nombre pour la retransmission en direct de cette séance, et bien entendu un bonjour à tous les internautes qui suivent également en direct notre séance. Avant toute chose, je souhaiterais rappeler au président de l'Assemblée et candidat à cette motion de défiance, M. Temaru, qu'aujourd'hui, cela fait jour pour jour, 2 ans que nous avons répondu à votre appel pour soutenir votre majorité chancelante de l'époque. Il y a 2 ans, ayant perdu un partenaire de votre majorité, et pour préserver votre gouvernement, vous êtes venu nous demander de vous soutenir. Vous êtes venu nous chercher au motif de la stabilité politique et de l'avenir du pays pour recomposer une majorité sans passer par la case des fiances. Vous déclarez alors, je cite, on ne peut pas travailler comme il faut dans cette situation d'instabilité que l'on veut instaurer dans ce pays. Vous aviez même dénoncé clairement certaines personnes qui étaient, selon vous, les causes principales de l'instabilité. Nous ne pouvons qu'espérer que cette situation vous aura servi de leçon et que vous ne reproduirez pas des alliances que vous savez vouer à l'échec. Parce qu'il nous importait de maintenir la stabilité, parce que nous souhaitions faire les choses en toute transparence, nous avons répondu à votre appel. Et pourtant, ce ne fut pas chose facile pour nous, mais nous avons pu faire taire nos dissensions pour tenter cette expérience pour le pays. Malheureusement, les choses n'ont pas tourné positivement et vous n'avez pas su respecter le partenaire que nous étions. Nous n'étions en fait qu'une béquille sur laquelle vous appuyiez pour vous maintenir au pouvoir. Le président Tong Song aura au moins eu le courage de ne conserver que les élus qui partageaient ses valeurs, quitte à y laisser sa majorité. Plus près de nous, il y a quelques semaines, et considérant la situation difficile que nous connaissons tous, le président Tong Song a appelé et appelle encore tous les élus de bonne volonté pour reconstituer une majorité et éviter un énième renversement inutile et dangereux pour le pays. Cet appel s'adressait comme vous à l'époque, et là encore je vous cite, à tout le monde, aux gens responsables de ce pays. Quel curieux parallèle! Que de curieuses ressemblances. Mais là où la comparaison s'arrête, c'est qu'à l'époque, nous avions vraiment su taire nos différences pour tenter de faire avancer le pays. Nous avions déposé nos armes. Ce que vous et votre groupe avez été incapables de faire ces derniers temps, vous n'avez pas pu mettre de côté cette hargne envers notre président et notre groupe pour penser véritablement au pays. Sommes-nous si menaçants, nous, petits groupes de 9 élus bien soudés? Ce qui nous permet toutefois de déduire qu'il ne s'agit aujourd'hui en rien de sauver le pays, mais bien de récupérer un poste qui vous est cher, peut-être pour empêcher le président Tong Song de faire aboutir des dossiers que vous n'avez su faire aboutir à l'époque, peut-être parce que face au travail et aux résultats du président Tong Song, que certains ont officiellement reconnu dans cet hémicycle, pas plus tard qu'hier, lors d'une déclaration en séance, vous ne souhaitez pas laisser continuer une équipe qui gagne, peut-être pour retourner parader dans tel ou tel forum international. Croyez bien que nous regrettons très sincèrement que vous n'ayez pu
suivre notre démarche de 2009. Vous auriez pu là faire œuvre constructrice pour le pays. Vous avez opté pour un autre choix, celui de la motion. Ne venez pas vous placer face à nous en donneur de leçons. Vous ne pouvez revendiquer cette position. Quand vous avez fait le choix d'une motion basée sur une majorité bancale dès son départ, une majorité non garantie ni satisfaite. Oh, bien sûr, tout sera fait pour qu'elle passe. Nous en sommes bien conscients. Mais à quel prix? Nous aurions éventuellement compris votre démarche si le document que nous avons reçu était empli de critiques fondées, se bornant à analyser les éléments actuels portant préjudice au pays et les solutions permettant de les contourner ou de les supprimer. Un document suffisamment bien préparé pour répondre au très bon discours et au bilan positif du président Thong Son et de ses ministres. Ce gouvernement qui nous a donné une image plus que positive hier, une équipe jeune, dynamique, au fait de ses dossiers et prête à relever tous les défis. Mais alors, venons-en justement au texte, même de la motion. Quatre points se dessinent menant à la conclusion de texte, le renversement du président Thong Son et de son gouvernement. Vous nous rappelez en liminaire les pérennisations budgétaires de février 2011. Avez-vous confirmation que le budget voté par l'Assemblée est bien celui conforme aux dispositions du statut? Avez-vous un retour des juridictions? Il ne me semble pas. Et combien même au risque de vous décevoir, le budget est actuellement en cours d'exécution. Depuis plusieurs semaines, qui plus est, les factures sont payées, les crédits sont liquidés, l'activité économique est alimentée, ne vous en déplaise, et vous allez aujourd'hui donner un brutal coup d'arrêt à cet élan. Reconnaissez de plus qu'en définitive, le budget voté par l'Assemblée est à peu de choses près celui du président Thong Son, à ceci près que vous avez supprimé toutes les mesures destinées au financement de la PSG. Ce système qui permet à tous nos concitoyens, et notamment les plus démunis, de bénéficier d'une couverture sociale. Un système issu d'une longue concertation avec tous les partenaires sociaux qui ces derniers jours ont fait part de leur ras-le-bol face au mépris de certains élus envers la population. Vous conviendrez donc qu'un tel argument ne saurait être recevable et fonder un texte aussi important qu'une motion de défiance. Vous mentionnez ensuite la baisse de la notation de Standard & Poor's il y a quelques jours. Effectivement, cette note est une nouvelle fois dégradée. Il me semble bien qu'elle fut une première fois dégradée sous votre gouvernance, si mes souvenirs sont exacts. Mais dois-je vous rappeler quels sont les arguments ayant mené à cette baisse de notre note? N'est-ce pas l'instabilité politique qui prédomine depuis tant chez nous? Et pour ce faire, pour résoudre le problème et tenter de remonter la note, vous nous proposez dans une logique qui m'échappe une nouvelle instabilité. Car c'est bien là que vous nous menez. Là encore, tout ceci ne nous semble pas bien sérieux. Encore moins quant à la lecture de vos déclarations la veille de la motion, vous avez l'audace de nous dire que non content de ne pas avoir finalisé de vous distribuer les postes, alors que l'heure approche, vous n'avez aucun programme de gouvernance, car selon vous, pour le moment, ce n'est pas la peine de parler de programme si vendredi on n'arrive pas à renverser ce gouvernement. Nous en avons bien entendu. Alors, quand vous nous parlez ensuite vaguement d'une légitimité moribonde au sein de notre institution, nous ne sommes plus qu'à 9 à soutenir ce gouvernement. 7, c'est vrai, mais ces 9-là, croyez-moi, sont plus solides que bien des majorités. Et en cela, je les remercie publiquement et je vous demande quand même d'applaudir une dernière fois, si je ne me trompe pas, ces membres du gouvernement. Sans oublier bien sûr tous ceux qui, hors de notre groupe, restent fidèles à celui qui les a portés au sein de cette institution, qui restent fidèles à leurs valeurs. Nous évaluerons et observerons avec beaucoup d'attention la solidité et la solidarité de votre nouvelle majorité, croyez-le. Et puis finalement, à y regarder de plus près, là encore, aucun gouvernement depuis 2006 n'a tenu plus longtemps que celui-ci, soutenu par une majorité, encore une fois, de 9 élus. Voilà 16 mois que ce gouvernement avance, contre vents et marées. Voilà 16 mois que le président et ses ministres s'acharnent à redresser la barre. Et quoi qu'on dise, certains indicateurs commencent à remonter malgré une opposition tenace à l'Assemblée. Preuve encore hier avec les chiffres du tourisme, plus 26% en janvier 2011. Mauro Rostive. Et combien de textes ont malgré tout été adoptés pendant ces 16 mois
dont 13 avec peu d'élus en soutien, pas moins de 5 collectifs, des mesures pour le logement, des aides, des facilités fiscales pour les très petites entreprises, la promotion de l'agriculture biologique et bien d'autres, la liste est trop longue. Enfin, vous terminez lamentablement par des arguments relatifs à la mise en examen de notre président, du président du pays. Hormis dans vos futures lois de Maori indépendants, avez-vous lu qu'une mise en examen était synonyme de culpabilité? Combien de personnes ont été blanchies après avoir été mises en examen? De quel droit vous permettez-vous de jeter le discrédit sur certains hommes et poursuivre ainsi le divorce entre la population et la classe politique? Et d'ailleurs, Monsieur le Président de l'Assemblée, avant de voir la paille dans l'œil de votre voisin, faites donc tout simplement le ménage chez vous et voyez les poutres dans votre groupe parmi tous ceux qui ont, eux, passé le stade de la mise en examen pour celui de la culpabilité jugée et reconnue. Et je ne parle même pas d'autres élus qui pourraient s'afficher bientôt comme vos alliés. N'oubliez pas également que dans l'affaire Renaud-Toi, le dossier est loin d'être clos. Non, véritablement, vous, mes chers collègues qui souhaitez voter cette motion, je vous appelle à plus de raison, plus de sérieux. Il me semble en fait que cette motion n'est qu'une nouvelle étape au détriment du pays dans la poursuite de votre vieux rêve anachronique d'indépendance. Mais gardez à l'esprit que ce rêve est aujourd'hui soutenu par quelques autonomistes égarés. Autonomistes qui se méprennent et pensent naïvement qu'un raisonnement technique pourrait avoir raison de vos chimères. Mais ils feront l'amère expérience de la récupération et de l'étouffement par vos soins de leur réalisme au profit de votre utopisme. Et ceux-là porteront leur fardeau pendant encore un certain temps. Pour conclure, ainsi que notre groupe l'a annoncé publiquement, et parce que nous pensons que l'actuel gouvernement est non seulement légitime mais apte à redresser la situation du pays, notre groupe ne participera pas au vote de cette motion. Nous appelons tout un chacun à plus de raison et que toutes ces bonnes volontés dont je vous ai parlé au début de mon intervention prennent pleinement conscience que la porte leur était encore ouverte pour se joindre à l'équipe en place et poursuivre le redressement de notre pays. La sagesse est à la continuité, pas à la rupture. La sagesse voudrait que cette équipe jeune et dynamique poursuive son travail, parce qu'elle est en phase avec notre population et qu'elle ne vit pas dans les fantasmes d'une époque révolue. Nous ne sommes aucunement convaincus en comparant cette motion avec tout le travail réalisé par le président Thong-Son ces derniers mois. Dans un contexte des plus défavorables, qu'il importe aujourd'hui de changer de président? Nous considérons que l'actuel est plus que méritant et doit pouvoir poursuivre ses objectifs. Aussi, renouvelons le soutien du groupe Totatuaya à son président légitime. Je vous remercie de votre attention. Maru. Maru. Tia, Monsieur le Président de la Polynésie française, Monsieur le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, Monsieur le Vice-président, Monsieur les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner une motion de défiance à l'égard du président Thong-Son, déposé par le groupe UPLD et des représentants du groupe des menants de Mahoumoutou. Permettez-moi de débuter mon propos en citant notre collègue Tony Géros qui, répondant aux questions des journalistes, le matin même du dépôt de cette motion de défiance, restait dubitatif en déclarant une motion. Pourquoi ? Le problème reste entier. Pourquoi cette motion? La réponse, nous ne la trouvons guère dans les trois points qui motivent son dépôt et qui ont été rédigés de manière expéditive afin de trouver un justificatif. Dans le texte,
qui nous est présenté, pas un mot sur les moyens à mettre en œuvre pour assainir nos finances publiques, pour nous sortir de la crise économique et surtout répondre au quotidien de nos concitoyens. Aucune réponse à la question essentielle qui devrait nous préoccuper tous, une motion, pourquoi faire? Comme le confirmait lundi Teina Maréoura à la télévision, les tractations entre l'UPRD et lui-même visaient non pas à établir un programme de gouvernance pour sauver ce pays en ruine, mais bien à se répartir les postes au sein d'une future majorité selon la volonté d'Oscar Temaru. Une motion pour quoi faire? Réponse de Teina Maréoura, portée Oscar Temaru à la présidence du pays, moins Teina à la présidence de l'Assemblée, et répartir entre nous les portefeuilles ministériels, les commissions à l'Assemblée, etc. Si c'est cela, ne comptez pas sur le Tahora Uratira. S'il s'agit encore de demander la réinscription de la Polynésie sur la liste des pays qui réclament l'indépendance, ou si c'est pour la mise en œuvre de l'impôt sur le revenu, vous ne pouvez que rencontrer l'hostilité du Tahora Uratira. Ce sont bien ces deux éléments qui ont été particulièrement mis en avant en prélude à cette motion. Alors, certes, Oscar Temaru peut nous expliquer ce qu'il compte faire, quelle révolution il compte engager pour remettre notre pays sur de bons rails. Nous avons plusieurs fois entendu ce type de discours depuis 2004, sans qu'il ne soit jamais suivi d'effets. Nous avons plusieurs fois entendu ce type de discours depuis 2004, sans qu'il ne soit suivi des faits, la motion, si elle devrait être adoptée, ne nous permettra pas, Monsieur Temaru, de mettre en œuvre quelque programme que ce soit. Votre majorité serait si étriquée, si soumise au diktat de vos nouveaux partenaires, qu'elle ne pourra pas faire avancer notre pays, qui sera toujours soumis à l'instabilité politique. N'avez-vous pas souvenir que ceux avec qui vous avez décidé de signer cette motion ont été à l'origine de votre chute? Les Barbudières ou leurs frères d'aujourd'hui sont toujours partie prenante dans votre quête de pouvoir. Vous en êtes tellement persuadé que parce que vous n'étiez pas sûr d'avoir, ne serait-ce que 29 voix, vous n'avez pas cessé de faire du racolage pour constituer votre majorité. Quelle étrange démarche, quand vous n'avez décidé de discuter qu'avec les Iliens, et que dans le même temps, par voie de communiqué, vous avez jugé les autonomistes incapables de gouverner. Comment réaliser le rassemblement nécessaire à la constitution d'une forte majorité quand vous vous montrez incapable de réaliser un minimum de consensus et que vous mettez en avant des préalables intolérables? Comment réaliser le consensus populaire lorsque vous voulez imposer votre vision politique sans avoir reçu mandat de la population sur le sujet de la réinscription de la Polynésie française? Pour notre part, et fort des expériences passées, nous pensons, Monsieur Temaru, que vous n'êtes absolument pas l'homme de la situation. Votre discours montre que vous êtes étranger aux réalités populaires, étranger aux cris de souffrance de cette population. Notre pays, au bord du gouffre, réclame d'importantes réformes.
que vous ne pourrez pas mener parce que votre attelage est déjà prendre. Vous l'aurez compris, le Tahoraüra Tira ne votera pas cette motion de défiance car, à notre sens, elle ne constitue pas un progrès sur la situation actuelle parce qu'elle ne va ni dans le sens de la stabilité politique ni dans celui de la résolution des problèmes quotidiens des Polynésiens. Pour autant, qu'il n'y ait pas de méprise, si nous n'accordons pas notre confiance à M. Desmarou, ce n'est pas parce que nous faisons confiance à M. Gaston Thompson. Nous ne faisons pas non plus confiance à M. Thompson. Un homme sensé maîtrise sa colère. Il met son point d'honneur à oublier les torts subis. Si nous en sommes arrivés à cette situation d'instabilité paralysante, c'est aussi parce que Gaston Thompson a gravement failli dans ses fonctions de chef de majorité. D'abord, en n'honorant pas sa parole, cette majorité qui s'était dégagée autour de vous fin 2009, vous n'avez pas su la maintenir en ordre de marche et elle a fini par exploser en avril 2010 quand vous avez manqué à votre parole, quand vous n'avez pas respecté vos engagements. Quel dommage. Monsieur Thompson, vous et la majorité des membres de votre groupe, vous avez toujours vu dans le Tahoeraa, qui est pourtant votre berceau politique, et singulièrement dans Gaston Flosse, un ennemi potentiel. Vous avez été complètement aveuglé par cette défiance que vous aviez vis-à-vis de nous, comme si vous aviez une honte profonde de ce compagnonnage de près de 3 décennies et qu'il vous fallait aujourd'hui tout faire pour gommer ce parcours et vous renier. Cet aveuglement est même à ce point si élevé que vous vous montrez dorénavant incapable de voir où sont vos véritables ennemis. Le 28 février, vous avez décidé d'exclure votre vice-président, vos ministres Tahoeraa, parce qu'ils refusaient de signer un acte illégal. Vous avez annoncé que vous faisiez de la signature des actes illégaux une question de confiance, alors même que le vice-président et ses ministres avaient toujours été loyaux envers vous. Et ils étaient plus présents auprès de vous dans cette assemblée que vos propres ministres Totatowaya, et tout autant quand seul le vice-président venait défendre vos dossiers en votre absence. Encore une fois, Monsieur Thompson, quel dommage pour vous. Aujourd'hui, à quel spectacle assistons-nous? Vous avez dans votre gouvernement des ministres qui, indirectement, voteront contre vous, voteront votre défiance. Vos ministres qui veulent vous renverser. Le matin, ils sont au Conseil des ministres, l'après-midi avec l'UPLD qui vous renverse aujourd'hui. Tout cela devant l'opinion publique, par médias interposés. Quel spectacle! Et là, vous ne faites rien. Vous les laissez faire. Vous leur faites confiance. Cet état de fait traduit chez nous un problème récurrent d'autorité et au-delà un vrai problème moral. Vous acceptez que des traîtres avérés siègent à vos côtés en procédant de la sorte, en banalisant l'absence de morale, vous ne faites que renforcer l'idée chez certains que le nomadisme politique est une norme acceptable. Vous ne faites que renforcer dans l'opinion publique le rejet en bloc de la classe politique. Monsieur Thompson,
En refusant de voter la motion de défiance, nous ne pouvons nous empêcher de faire un constat amer. Depuis le mois d'octobre dernier, nous vous avions dit que vous ne pourriez pas avancer sans réformer une majorité solide. Depuis le mois d'octobre dernier, le Tahora, avec nos amis de la Yaora Tepenoa, s'est inscrit dans cette démarche de regrouper les autonomistes pour obtenir une majorité cohérente, se remettre sérieusement au travail pour faire face aux problèmes que traverse notre pays. Vous avez engagé ce dialogue avec nous. Vous êtes même allé jusqu'à Paris avec Edouard Fritsch pour parler de cette recomposition nécessaire avec Marie-Luce Panchard. Tout ça pour finalement refermer la porte plus rapidement que vous ne l'aviez ouverte. Après avoir proposé de démissionner à l'échéance de ce mois d'avril, vous avez clamé partout qu'il était impensable que vous cédiez votre siège car vous étiez fort de la légitimité de 60 000 électeurs et 27 représentants. C'est du passé. Aujourd'hui, vous n'êtes plus que 9 représentants à l'Assemblée. Voilà ce que vous représentez. Il faut arrêter et de rêver. Vous vous trompez à vous-même. Vous vous trompez du système. Dans notre système politique, votre légitimité, vous ne la tenez que des représentants qui vous ont accordé leur confiance. Monsieur Thompson, c'est ici que vous avez été élu président. La légitimité populaire, ce sont les seuls représentants qui peuvent s'en prévaloir. Ce sont eux qui ont été élus au suffrage universel. Vous le savez bien, puisque, justement, vous avez demandé l'élection du président au suffrage universel direct, ce qui vous a toujours été refusé. De surcroît, à la différence du Premier ministre, seul responsable devant l'Assemblée nationale de sa gestion, c'est le président de la Polynésie française qui est dans nos institutions directement et seul responsable de sa politique devant notre Assemblée. Votre argumentation et votre réécriture de nos institutions ne valent que parce que vous avez refusé de trouver une solution à la crise politique que nous subissons. C'est la seule justification que vous pouvez présenter pour faire illusion face à un incroyable gâchis. Récemment, notre président Gaston Flosse a tenté une nouvelle fois auprès de vous et en compagnie de Jean-Christophe Busseau la recherche d'une solution encore la semaine dernière, la semaine tentative date d'avant-hier soir. Là encore, vous n'avez pas voulu donner suite aux accusants Gaston Flosse d'être la source de toutes les instabilités. Monsieur Thompson n'a jamais pu tenir durablement une majorité parce qu'il est finalement incapable de gouverner et d'offrir une vision réaliste. Vous n'avez jamais su tenir les majorités qui se sont regroupées autour de vous par absence de fermeté et de courage. Vous n'avez pas su reconstituer une nouvelle majorité parce que, sans doute, profondément honteux de vos propres trahisons et reniements que vous rappelle la vision permanente de M. Flosse, vous avez peur du Tahora. Comme l'a si bien dit M. Philippe Schill la semaine dernière sur Télépolynésie, vous devriez d'abord vous poser la question de savoir pourquoi vos partenaires d'hier se sont détournés de vous. J'ajouterai que vous n'avez pas su reconnaître quels étaient vos véritables partenaires. Arrêtez de diaboliser Gaston Flosse et le Tahora. Vous êtes le premier responsable de vos turpitudes
et les turpitudes actuelles. Vous êtes le seul responsable d'être à la tête d'un gouvernement désuni, incohérent et inefficace, qui n'est soutenu que par 9 représentants. Oui, le premier et seul responsable, mes chers collègues, de Fotatoaïa. En évitant probablement aujourd'hui la censure, ne vous réjouissez pas trop vite et ne croyez surtout pas en la victoire de votre intelligence ou au succès de votre management. C'est la résultante de l'esprit et de responsabilité du Tahoran de savoir dissocier les choses et de ne pas préférer choisir pour notre pays une fausse solution. Monsieur Thompson, je le disais tout à l'heure, notre pays a besoin de réformes en profondeur pour opérer sa mutation économique et sociale. Ces réformes qu'attendent tous les Polynésiens ne pourront être menées que dans le cadre d'une majorité cohérente. Faute de répondre rapidement à cette urgence, le pays ne s'en relèvera pas. Vous qui êtes ministre des Finances, vous savez mieux que quiconque que nous ne pouvons plus nous permettre de tergiverser, d'attendre encore et encore. Sinon, vous le savez mieux que quiconque, ce sera la banqueroute. Reconnaissez-le. Reconnaissez enfin vos erreurs. Acceptez de vous remettre en question et nous pourrons sans aucun doute réengager un dialogue serein et constructif pour éviter le chaos. Mais c'est aussi ce chaos qui nous tenterons d'éviter en ne participant pas au vote de cette motion de défiance. Ce n'est pas parce que nous avons des griefs à l'encontre de Gaston Thompson que nous donnerons priorité à certaines rancœurs qui opposent les uns aux autres. La priorité pour le Tahoran est de trouver le meilleur consensus pour faire avancer notre pays. La priorité pour le Tahoran Huratira est de rétablir la santé financière de ce pays. La priorité pour le Tahoran Huratira est de créer l'emploi en rétablissant la confiance qui manque cruellement aux acteurs économiques et sociaux. La priorité pour le Tahoran Huratira est de rassembler toutes les bonnes volontés pour sauver cette Polynésie généreuse par le partage juste et équitable de nos richesses, soutenues par une vraie politique de solidarité pour les plus démunis d'entre nous. C'est ainsi que nous entendons continuer de travailler. Il nous faut nous retrousser les manches. Car pour accéder aux honneurs, il faut avoir l'esprit humble. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur le Président du Gouvernement, Messieurs les ministres, Monsieur le Sénateur, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs de la presse, Mesdames et Messieurs, vous qui suivez cette retransmission depuis chez vous, je souhaiterais au nom du groupe Yorat Fenois vous adresser nos salutations les plus sincères en cette occasion de séance solennelle et grave et qui engage bien entendu l'avenir de notre pays. Monsieur le Président, lorsque nous avons pris la décision au niveau du groupe de marquer ce jour par notre intervention et participer au débat, je dois vous avouer que j'ai préparé mon allocution au travers d'un discours que j'ai rédigé. Et au fur et à mesure que je rédigeais mon discours, m'est venu à l'esprit, un adage que me dit souvent mon père et qui dit que d'un instant où tu pointes un doigt accusateur sur quelqu'un, regarde toujours comment se trouve ton pouce.
Parce que, bien évidemment, nous sommes, nous, dans une société, une Polynésie française, que nous aimons. Bien entendu, nous sommes en politique parce que nous sommes représentatifs de la population. Je voudrais, Monsieur le Président, quelque part contredire ce que vous dites souvent en termes de légitimité. La légitimité que nous avons, c'est celle des électeurs qui nous ont fait confiance, non pas sur un homme, parce qu'à ce moment-là, on tendrait à personnaliser la fonction de responsable politique, mais sur un projet, sur un programme. Voilà pourquoi nous avons décidé à un moment donné, non pas de rejoindre un quelconque autre groupe, mais de constituer ce groupe, Yorat Fenouan, parce que nous souhaitons rester sur cet engagement que nous avons pris vis-à-vis de la population, au regard du projet, du programme sur lequel nous avons obtenu sa confiance. Voilà ce qui nous différencie quelque part dans cette interprétation de la légitimité. Et rappelez-vous toujours les déclarations qu'on a pu faire par le passé sur la légitimité de tel ou tel représentant. Oui, nous sommes légitimes aujourd'hui parce que nous avons été élus et parce que des électeurs ont confiance aussi en nous. Vous savez, aujourd'hui, alors ce fameux discours, j'en ai fait un classement cylindrique, vous voyez. Je l'ai jeté à la poubelle. Et finalement, j'ai fait un conducteur juste pour que je me rappelle un tout petit peu de certaines choses que je voudrais vous dire. D'abord, je voudrais dire aujourd'hui qu'il y a dans le sentiment de la population deux réflexions, deux sentiments très mitigés. D'abord, il y a un sentiment d'insatisfaction, Monsieur le Président du gouvernement. On ne peut pas le cacher. Ce sentiment d'insatisfaction est dû au fait que la classe politique et aussi votre gouvernement n'est pas arrivé à juguler cette situation de crise à la fois économique et sociale. Ça a été rappelé tout à l'heure, le budget que vous avez publié au journal officiel et qui n'est pas le budget voté par notre Assemblée comporte à l'intérieur des mesures dont les entreprises ne veulent pas, parce que ces mesures sont contre-productives sur le plan de notre développement, sachant bien entendu que notre pays est déjà en situation difficile. Le deuxième sentiment, c'est qu'il y a une certitude aussi, Monsieur le Président de l'Assemblée, c'est que cette énième motion de défiance ne va pas arranger les choses. On le verra tout à l'heure. Qu'elle passe ou qu'elle ne passe pas, nous aurons une majorité, de toute manière, qui sera trop juste. Vous avez élaboré votre projet de renversement sur la base de critiques, bien entendu, que vous avez lues hier au travers du président du groupe UPLD, en fustigeant, bien entendu, l'action du gouvernement. Mais en même temps, on comprend que derrière, finalement, c'est un peu le vide. On ne sait pas où on va. La population qui nous regarde ne comprend pas pourquoi il y aurait un changement d'équipe, puisqu'il n'y a absolument aucun objectif signaler. Voilà donc deux sentiments mitigés entre, un, ah non, on n'est pas très content de la situation, on peut même dire qu'on est franchement malheureux de la situation de la Polynésie, qui n'arrive pas à sortir de cette crise économique et sociale, et deuxièmement, cette énième motion de défiance ne va pas régler cette situation, comme cela a été dit par notre excellent collègue tout à l'heure, René Grand-Motini. Alors, je crois que notre population attend de notre part aujourd'hui un changement de comportement. Et quand je dis un changement de comportement, je ne veux pas ici paraître moralisateur. J'estime que nous n'avons pas de leçons à donner aux uns et aux autres. Mais nous concevons aujourd'hui le fait que la population
nous appelle tous à devenir responsables. Ce n'est pas une dissolution de l'Assemblée demain qui va régler le problème, surtout que la loi électorale n'a pas encore été modifiée. Donc il nous faut donc naviguer tous ensemble jusqu'en 2013. Mais si on ne change pas nos comportements, qui sont ceux qui vont payer la facture? Ben, ceux qui aujourd'hui sont dans l'attente, ceux qui aujourd'hui souffrent, ceux qui n'ont pas d'emploi, ceux qui n'ont pas de logement, nos enfants qui sont perturbés, y compris jusqu'à l'université. Donc on attend de nous un changement de comportement. Mais aussi, il faut regarder les choses en face, Monsieur le Président. Vous n'avez plus de majorité. J'ai entendu le président du groupe Totatoaya intervenir tout à l'heure, se gargariser sur le fait que vous arrivez à piloter le pays avec 1, 2, 3, 4, 5 ministres. Je ne compte pas les deux autres parce qu'on ne sait plus si c'est dans votre camp ou dans le camp adverse. Et avec 9 représentants, comment vous allez faire lorsque vous viendrez avec vos collectifs budgétaires? Parce que vous viendrez avec vos mesures de réforme, dès l'instant où il n'y a aucune concertation préalable. Ces mesures ne passeront pas le seuil de notre Assemblée. Donc ce n'est toujours pas une solution, ce n'est pas une solution. On ne peut pas continuer tel quel. Donc ça, c'est un constat. Il faut regarder la réalité en face. Deuxième constat, aucun autre groupe de notre Assemblée ne dispose d'une majorité. Aucun. Ni l'UPLD, ni Temanano Temomotu, ni le Tahoe-Nahu-Datira, ni Totatoaya, ni Yoratefenua, encore moins les non-inscrits. Donc lorsqu'on se retrouve dans une situation comme celle-là, et lorsque nous avons tous le point commun de vouloir mettre l'intérêt général en avant, eh bien, on essaye de trouver un terrain d'entente et de consensus. Monsieur le Président, c'est dans cette direction-là que l'on doit aller. Il faut ouvrir aujourd'hui et faire en sorte que nous puissions faire participer le maximum de compétences. Et quand je dis le maximum de compétences, je ne parle pas uniquement des compétences ici, au sein de cet hémicycle, des compétences politiques, mais aussi des compétences à l'extérieur de cet hémicycle, des compétences dans la société civile. Je suis très content de voir le choix que vous avez pu faire au niveau de certains ministres qui sont ici présents et qui ont démontré aussi leur capacité à pouvoir porter leur charge ministérielle et leur charge de travail et de réussir, comme notre ministre du Tourisme ou notre ministre de l'Éducation, dans leur propre domaine. Nous entendons, nous ne sommes pas sourds sur ce que disent notre population au regard du travail réalisé par certains des membres de votre gouvernement. Mais en même temps, il faut montrer une autre image de la politique. Et il faudra donc que ce futur gouvernement, quel qu'il soit, et je ne connais pas l'issue de ce vote ce matin, soit aussi un peu à l'image de ce qu'espère notre population, c'est-à-dire quelque chose de nouveau, du sang neuf. Et n'hésitons pas à faire intervenir la société civile qui aujourd'hui souhaite aussi participer à la vie politique de notre pays. Donc il nous faut retrouver une nouvelle crédibilité. Ce n'est pas en votant cette énième motion de défiance que nous allons trouver cette crédibilité. J'en suis persuadé. Aussi, nous avons décidé au niveau du groupe Yoratefenua de ne pas participer à ce vote. Je dirais même plus. Vous savez, notre pays est un peu comme un fossé abyssal. Depuis 2004, on est tiré vers le bas, au fond de l'abîme. Et au fur et à mesure, nous sommes dans une spirale et on se pose la question de savoir à quel moment nos pieds vont toucher le fond. Bien, nous avons décidé que l'on touche le fond maintenant et que nous allons tous appuyer sur le fond pour remonter. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, nous allons non seulement nous n'allons pas participer au niveau du vote, mais nous proposons que nous nous levions tous maintenant sur nos jambes et que nous poussions nos corps vers le haut afin que nous puissions tous remonter vers la surface.
Voilà ce que nous avions à déclarer. J'invite les groupes qui le souhaitent à faire de même. Merci. Maruru, terminé été monoprétitéri en tournigérance et jamais où il y en a. Toranaya itu tato Farid Aite ne pepe. Temer ne aite mu propora tata to faru ne aite pepe. Temea ehi a treme to oet preditini o tau fenu. Proud ai unai. At umai pa aita uto motion de fiance. Rianei, atu mai tau tau motion de fios, atu mai tau tau prou fatawida, tawida ai te waiau, te iwa atu tatu, tataran ai, te iwa atu tatu, ini ai te lutoa, ini ai te awa, riuhia. E te imanam, te whahapanei o. A teitu aroa i te tētai a Robert Tonso, a te hēra i te epepui. Parun au i anei proprout mō te mea tō, me haurua tona mō manao, me mai teiru. O mā, mano matamua, mano hamaruru, o tōt mō whatarehau, mō manao tautou i wawoi nanenei, mō hipo tautou i rawe. Tēnō tō atu i pretitini o te whenu. I pāimino ana tatu pōru, i te teirau ea, i hato tatu wā, i a wainoa, i te e uru tō, ai te hare wahaure mō. I te tatu enhen he, veihoi tō tatu whenua, e iwa tātad whātare,
freedom. Ya tafifi tona tere. Ai ta hoe ta te aturi e ta pa tara wa. Tara awe e o tamai fauti. Mi uto wa toi te bebe haro tru oi to uto wo mana wa ito uto e aturi da. E tupu te hepe te am hana e o tupu. Ai tamato i fare dei not operei tra me rete dio. E hia te me tau tau farora ia i unei te anin ai tatou. Tarima mai nei te e prau faho i to tatou whenua i te vahe norira mai ona. Pene e pā ahari nā utou te e anira e whaari i utou. I te mea rai nā matou te e anira i te i utou e whaari. Wharerin tau, wharerin na mau o te huit o whā. No te e tūn prau. E ua ite, e ua tano. Hapaora o ite prau, a ta upupu. Hai tātu e rau e hoero tamatou e ite nei. No te parurur ai te ewa ato tātu. Ua ite o tou. E ua i te tātou pōru aita te hauwhrāni whātura mai nei tātou. Tērā te tumu o tfifi o tō tātou whenua, no te auto i tō e prau te prau. Ngā wai te e papature whātere nei tātou i whanho mai. Nā te i hau. Te whururi whahau mai rea i te tei ature, no te wawahai whahua i tato. Ui te toa utu. Nga te mea tāna noa tra rāwea. Wawahai, jane ne onai whātere noa i tato. Tumu i a tato, whai nuai rutu i tāre purupura. Hei te hare, amana o te ruo iku matai tipiti tautini e iwa. Tau tau whaatauri rai ta tātou whaatare rā. E tara praue, tie mai o tau namatu. Pano ahoi te prau tō tātou whenu. Whātia wa ahoi tō tātou whenu. Huma. Te ipa e pū, hoipa. Te iti hia i te au nei, Standard & Poor's. E ere te whea i te tei whea, mi te tei tōmi te porotita. E pura aiwana te e no te orara porotita, no te prauti imi a fofa e rito i te mo whenua o te au nei. E i roto i ta rato mo whaotita. E whaotitoa i te mo wharemuni. Mō pū hupa e turu nei te prau no te whahutura i te mō whenua toa, i tā rātou mō whaotira. Nō te aoe, e ono no noa e tāp e i te i e pārheka. I tū e prau mō i te e nun ātu, mō anit ātā oi harmei e ani iau no te whaema. Ai te hare. Te vei nei te prau no te turar ā o te tātā. E te wenei te parau no te turan au te enuna. Narone o hea maruru mai tei. To tato mo tae no to mo mutu. No to mea paha. No to mo mutu tato. O matau ia tato i te parau o te e whaura au te waa. Ia i te parau to tato u whatereho no te pao tapir. Ai nun a tato no to moana. Ui te tato ue wafifi te parau no te tereo te e waa.
N'a fait avec un noir. Taina Marudu. Kautai Marudu. Amaleoni Marudu. Madame Frebo Marudu. Maritena Marudu. Marudu te tuhaine agami te faayamai. Tato tuhaine Chantal. Oui, te au. Ite temha no te hopoia. Prétitine fatere to tato fenno. Emha teime. O tapenar amai te au ato tato. Emha teime ato tato fatourita. Te au ato tato. Te pair a te au te teime. Hopoia te au. Weni neo no te amoi te hopoia erutu te haet fatura te tato arta. Me ti e nā ue whae no uit uwhare, me o oro to uorara. Ui te hei te teimau te iho poia. Uri a te tia tuli ne hei ni ei tātou pōrua. No te turai rā, i te prahoau te mira whawhau to tātou whenua ngua. E erei te mea huie, o te mea, i roto i tā mātou hi ora, te vei nei, mō whanhora a, e tape a hiare roto i te rima o te hau frani. E reno te e mana tō paraura i te e parau, di roto i tātou mei te e angimara tātou paumutu e paraura e neke. Nōko aiko, parhei o aiko, atika i runga, mi te mātou e hata mātou hini arora. Mi te pua aito oto i te e hata mātou hini arora. A te arafone mātou i oto. Iau pa i te i mōmana o ta tātou i whāro hiong. An se pā u anwa. Toma. Pui te mātou e te harara mātou hini. Ia i whāro i te rapara. Hamana o turu i te rawhia horu pai. Matamu. Aitana e te e tau o tātou pop ae paraure Bussol, Sexto, a Wopainu. Te māhoi, ui tōna e nawhia tī o i tuetia. Te awa e te pāna tamat ai te arimiti. Nuri a tarau ai tāpae e tuenua tīngto. Nua tū aita te emu wanhora. E tāpae hoa. Nuri a te nuna e whar o mai nei. Arorua e opani te mana o tau, naratui te taiprau o oau ti tamai norto mai to tātou huit o whai te pepe. E te whenua Fiji o tamai te whenua o te aroa i te mana. E tua tapapahia to tātou prau no te taime mata mua roa. Uretui te aai o to tātou whenua mai te matai ti tautini i whandere hitu auru e mawau mai. Tau tererā naratui te mo whenua o te aone i New York. Roto i te apora rea tau amu, ia whaho hi a tō tātou whenua i o. E tua tāpapahi a tō tātou prau. Poma. Ua pōpā tō tātou mata. Aita tātou e i tērā e te porotita, aita tātou e nene vai anō tātou noa. Te porotita te imira fofu at whanhon au te horan ato te aret mong mea toa tira tui te ao nei. Pour la mondialisation de la politique de l'économie. Te hare ra mātou i o. Papuia ue ananhei o tōt fe a vitivitiru no tāret o i o. Maruru i tuaro o amai i orana. Je vais tout simplement dire quelques mots en français pour dire que, monsieur le président, vous semblez un peu amnésique. Vous-même, au sein de cette enceinte, combien de fois nous avons entendu dire « Mais déposez votre motion de défiance !» Et aujourd'hui, vous avez l'air surpris de cette motion de défiance. C'est chose faite. Nous ne pouvons pas, en tant que responsables politiques, laisser notre pirogue, Treaty of Freedom, dans cette situation. C'est un pâté de coraux. Nous sommes les gens de la mer, de l'océan, comme disait notre ministre de l'océan. Eh oui. Mais je viens d'entendre certains discours
nous dire qu'on ne sait pas où on va. Cela me fait penser aux navigateurs des années passées, quand ils n'avaient plus leur boussole, ils ne savaient pas où aller. Je suis en train de lire actuellement un livre qui m'a été dédicacé par Michel Rocard et qui parle de ces fameux navigateurs polynésiens. Si vous, vous ne savez pas où vous allez, nous, nous savons où nous allons. Nous savons regarder les étoiles, le vent, la lune, le soleil, la mer, les vents. Ça me fait rappeler également à cette fameuse, fabuleuse aventure, Tahitian with Freedom. Qui y croyait? Non, vous n'y croyez pas. Nous sommes les seuls à y croire. Un voyage historique qui restera dans l'histoire de notre pays. Nous savons où nous allons. Combien de fois nous nous sommes rencontrés? Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, des propositions que vous êtes venus me faire. Non, 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 je ne suis pas à ce stade-là. Combien de fois nous avons rencontré le président Floss? Nous nous sommes fixés un objectif. Je souhaiterais un jour que vous soyez président de la République, Mahé, ou peut-être notre collègue Dari Alpha, ou comme ça, vous ne serez plus sujet à motion de défiance. On sera un État souverain, libre de décider de notre avenir. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Cela ne veut pas dire que nous allons rompre avec notre partenaire historique, qui est la France. Mais quand il y a des critiques à faire, je sais les formuler, je les formule, je ne suis pas un hypocrite. Il faut arrêter d'intimider cette population. Arrêtez. Nos ancêtres ont vécu sur cette terre près de 2000 ans avant l'arrivée des Européens. Ils vivaient. Et d'après les premiers navigateurs, Captain Cook, tous ces gens-là, ils étaient beaux, hein, en bonne santé. Sauf que parmi ces navigateurs, M. Bougainville était venu chez nous avec une idée bien précise, aller prendre possession de ces terres. Ne croyez-vous pas qu'il est largement temps qu'on nous rende à César ce qui appartient à César. C'est tout à fait normal. Et le peuple français le comprend. J'ai beaucoup d'amis en France. Vous parlez de séparation, de fut un temps de terroristes, de tous ces noms pour intimider cette population. Non. Nous connaissons les chiffres de la balance commerciale de notre pays. Il faut redresser l'économie de notre pays. Je suis d'accord avec les propos de notre ministre de l'économie, du tourisme. Il nous faudra atteindre un chiffre de 500 000 à 1 million de touristes. Mais travaillons ensemble. Je n'ai pas cessé de faire appel à tout le monde. Redressons l'économie de notre pays. Mais avouez également qu'il est très difficile de développer l'économie de ce pays quand nous n'avons pas les leviers, tous les leviers de commande qu'il faut pour redresser l'économie de ce pays. Et c'est là où le bât blesse. Nous savons tous, il y a encore un nouveau mode de scrutin qui se prépare, encore pour nous diviser. Quel paradoxe, quand on entend les discours, les beaux discours, on parle de solidarité, de se rassembler, mais dans les faits, on fait tout pour nous diviser. Nous ne sommes pas des diviseurs. Mais nous avons décidé ensemble, avec nos amis, nos frères et sœurs des îles, de monter très bientôt un seul parti, on ne sera plus deux, on sera un seul parti. Pour affronter les défis qui nous attendent. Nous savons qu'ils sont énormes et que nous aurons besoin de tout le monde
Faites-nous confiance. C'est un appel également que je fais à cette population qui souffre, nous le savons tous. Je suis maire de la commune de Phare. C'est tous les jours des problèmes à régler, des solutions à trouver. Il y en a qui se réveillent aujourd'hui, qui parlent de ces problèmes-là. Ça fait 28 ans que je m'y attelle. Ça n'est pas facile. Nous aurons besoin de travailler avec les communes, avec les forces vives de ce pays. Mais je sais qu'il y a aussi une volonté occulte de déstabiliser, de tout faire pour ne pas que nous réussissions. C'est comme ça que j'explique notre renversement depuis 2004. Rappelez-vous, ces propos pour moi sonnent encore très fort dans mes oreilles. Nous allons fermer les robinets. N'est-ce pas? On n'a jamais entendu ça dans l'histoire de notre pays. Mais nous ne sommes pas des gens à nous laisser à courber les chines. Nous sommes là, nous sommes prêts à relever tous les défis. Et on sera encore là, jusqu'à ce que ce peuple retrouve sa dignité, sa souveraineté, chez lui. Maruru Yorana. Merci, Monsieur Temaru. Donc la discussion générale est close. Je vais demander aux agents de l'APF de bien vouloir procéder à la distribution des enveloppes et des bulletins de vote.
Donc, merci. Je vais mettre aux voix la motion de défiance. Donc, je vous rappelle que, conformément à l'article 156 du statut, seuls sont recensés les votes favorables à la motion de défiance, qui ne peut donc être adoptée qu'à la majorité absolue des représentants à l'Assemblée de la Polynésie, soit 29 voix. Par ailleurs, je vous indique que selon l'article 122, dans son dernier alinéa, le vote par procuration est interdit pour le vote de la motion de défiance. Donc, afin de procéder au contrôle des opérations de vote, je vais demander, en l'absence de secrétaire, au deuxième vice-président de bien vouloir m'accompagner pour me seconder dans cette tâche. Donc avec Juliana qui est secrétaire. Bien. Donc le scrutin est ouvert et je demande au secrétaire général de bien vouloir procéder à l'appel des représentants. Alors, Madame Aldon Emma, absente. Madame Bob Dupont-Tamara. À voter. Monsieur Bissou Jean-Christophe, absent. Madame Brémond Madeleine, absent. Madame Rodien Rosine, absent. Madame Chavez Daphné, absent. Madame Cross Valentina. À voter. Monsieur Jacques Hydrolet. À voter. Monsieur Flos Gaston, absent. Madame Frébeau-Joël. À voter. Monsieur Pierre Frébeau. À voter. Madame Fuller Tilda, absente. Madame Gallon Minari. À voter. Monsieur Géros Anthony. À voter. Monsieur Anderson George. À voter. Madame Hirschon le notaire. À voter. Madame Isa Leifara, absente. Monsieur Kauté Benoît. À voter. Monsieur Komitini René, absent. Monsieur Lison Marcelin, absent. Monsieur Mamato Hiotapu Victor. À voter. Madame Maitere Maria, absent. Madame Manute Levia Gami Sandra. Je ne participerai pas au vote. Je ne participe pas au vote. Madame Maria Emma, absent. Monsieur Mareura Teina.
à voter. Madame Marie-Thérèse Mairoto Liliane. À voter. Madame Matawa Leoni. À voter. Madame Mati Juliana. À voter. Madame Merceron Armel, absente. Monsieur Moutan Thomas, absent. Madame Olivier Marise. À voter. Madame Opa Afo Anik. À voter. Madame Parker Eleanor, absent. Monsieur Peu Touti, absent. Monsieur Pauliette Kinoui, absent. Monsieur Rapoto Jean-Marius. À voter. Madame Richton Monique, absent. Monsieur Romataro Fernand. À voter. Madame Sage Maina, absent. Monsieur Salmon James. À voter. Monsieur Chil Philippe, absent. Madame Saint-Jou Tarita, absent. Madame Tarieta Chantal. À voter. Madame Tawatama Juliette, absent. Madame Tama Françoise. À voter. Madame Tani Thérèse. À voter. Monsieur Tonso Robert, absent. Monsieur Tchontouroro, absent. Monsieur Tefarede Hiroiti. À voter. Monsieur Temaru Oscar. À voter. Monsieur Temeharo René, absent. Madame Teroa Pierre Sylviane, absent. Madame Théoura Justine. À voter. Monsieur Douaou Ismaël. À voter. Madame Tuchobière Catherine.
à voter. Madame Vernondon Béatrice, absente. Et Monsieur Vernondon Clarence. À voter. Voilà, je crois que j'ai appelé tout le monde. Merci, Madame la Secrétaire Générale. Donc, le scrutin est clos. Je demande au deuxième vice-président et à Madame la Secrétaire de bien vouloir procéder aux opérations de dépouillement. Vingt-neuf enveloppes trouvées dans l'eau. Pour. 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 29 bulletins. 29 bulletins pour.
J'ai demandé aux journalistes d'écourter un peu leurs interviews. La séance solennelle n'est pas encore terminée. Il nous appartient de proclamer les résultats. Yani hi arad mo papa iwe ha poto poto mai ta uto e ti ata ta to ruru ai ho pe tura.
Donc, conformément au résultat du scrutin, sur les 57 représentants composant l'Assemblée, 30 représentants étaient présents. Sur ces 30 représentants, 29 ont pris part au vote. Et dans l'urne, nous avons trouvé 29 bulletins. Et 29 bulletins ont été adoptés pour l'adoption de la motion de défiance. En conséquence, la motion de défiance est adoptée. Du fait de l'adoption de cette motion de défiance, les fonctions de membre du gouvernement de la Polynésie française cessent de plein droit. Conformément à l'article 156 et en son dernier alinéa, le candidat au mandat du président de la Polynésie française est déclaré élu et entre immédiatement en fonction. Donc, je déclare donc M. Oscar Manutai Temaru élu président de la Polynésie française à 11h30. Monsieur le Président, je vous invite à prendre votre place au banc de président du pays. Malabotonoa, on tamaruru tato tate tei, pororamai to tato yaturida, fautida, te hipo tatatui, firurimai, eti eira hia no te imhan. Tamaruru, tae ne eidwaru mai tei. Noté, petit Harumayor, à très haut, tout à tout, tout à une Chantal Galland. Mais tout à une été, pour avoir un tana faudit à ouïté, ou éha, te teimha à tana faou, mohavivida, mo pro teimha, pour avoir un tana faudit à irutuité, tout à l'heure, nous dirons tianine, et à tout, et à popoa, et à maroua, tanto yan. Mita tatu propronuana tatu dina wa o mai tra ferudia yo tatu chue teme imit mora wa to hoe e tatu ya fa hoe mato o to e mato tatu da yero amu it prau not fa hare dai te wa to tatu mu o ite tatu menafi hi o chue tia ter mitite mana te twa wea tiro da tatu ite thai mata iro ro fai thai if au tato praudhai prauno te otera prauno te arfa i voi te dire tu i tato faturara te ti aturi da tato i tato io i ha te ti aturi da it prombo prau namuri mai te tu aturi da tato i tato io fare di da tato i tato io mo teme ato e ti tau io tato e fare dei mo i te peu e te vera te tei mo tafifi mo amhamha ui te tato Here that no te man. Noria te tato e ha moruru te ia wate ne horturu farari tato i ua. Farari tato no fanho it pro no fatre da auto tato fino no fatre da auto apurar hei mo hei pato. Mi ta i pro it mo pape ve ai te tato i farari no opere i trame trame ere te di. Farari tato ua hi o tato i to tato fino no tiro to i tuifi. Wenen hei tato weda wei te pogotamata o rato i tera wei te epa i tihare. No te apai ai ti turumoni. Ia i te anira. At umai te prahu atahurira. Wara wei te epa i te mana norira. Amaruru tato i te atua. Pona te ti ei. Pona te whaoti i te mong me atua tato te tato te upua no.
faltit al moment o tirtoyam maru ayoran. Voilà, mesdames et messieurs les représentants, nous sommes arrivés au terme de notre séance. Je vous remercie tous d'être venus. La séance de plein droit est close.